Bienvenue à l'Hôtel de Gallifet, merci d'être avec nous ce soir pour cette rencontre consacrée au futur de la démocratie. On n'est pas prétentieux pour rien. Donc. Fino a una decina d'anni fa, nessuno in Occidente immaginava che si potesse ipotizzare una crisi della democrazia occidentale. Andate a Washington, Parigi, Londra, Roma. Troverete ovunque, in tutte le librerie, libri sulla crisi imminente della democrazia occidentale. Cioè il vento è cambiato completamente. Perché? Ci sono cause congiunturali, e qualcuno dice, si riassorbiranno facilmente, e qualcuno dice no, le cause vengono da lontano, sono profonde, saranno difficilmente superate. Un elemento che ha la fase strutturale e congiunturale, je pense, qui est la financiarisation de l'économie et l'internationalisation de l'économie qui fait que, souvent, dans les démocraties, les gouvernements, ils ont une capacité réduite de, gérer l'économie du pays. Et ça affaiblit énormément la démocratie, peut-être. La sfida technocratica riduce l'ambito decisionnale de la démocratie. Molte decisioni vengono spoliticizzate, cioè sottratte al dibattito pubblico. Verso l'alto, tecnocrazie sovranazionali, ma anche verso il basso, verso magistrature, autorità indipendenti e così via. La reazione a tutto questo è ciò che noi chiamiamo, o che viene abitualmente chiamata, reazione populista, no? Che è una replica proprio a questo, a quello che viene percepita come uno svuotamento della democrazia, quindi credo che sia vero che ci sia. Mi avete domandato cosa tu pensi di ciò che viene di dire Angelo Panebianco, se sei d'accordo con queste differenti cause strutturali e congiunturali, se tu vois d'altre che spiegherebbe questo affaiblissement, se affaiblissement esiste della democrazia. La democrazia è souvent in crisi. Et elle a une fragilité intrinsèque plus ou moins prononcée selon les pays, mais par exemple, sans vouloir remonter trop loin dans le passé, on a connu une période des années 20 et des années 30 où les grandes démocraties européennes ont été évidemment défiées à la fois par le fascisme, par le nazisme, par l'extrême droite ou par le communisme. Or, je crois qu'on est dans une période extraordinairement difficile à vivre pour chacun d'entre nous, à la fois comme chercheur, mais aussi comme citoyen, parce qu'on voit des processus contradictoires à l'œuvre. Contradictoires. C'est-à-dire des processus, effectivement, d'affaiblissement et au contraire des processus où un certain nombre de personnes veulent plus de démocratie. Un historien anglais, Mark Mazower, dans un livre qui s'appelle « Le continent des ténèbres »,« The Dark Continent », explique, c'est un historien très réaliste, il dit finalement, qu'est-ce qui se passe après 1945? Jusqu'ici, les Européens ont souvent remis en cause la démocratie. Mais s'ils ont adhéré à l'idée démocratique après-guerre, c'est peut-être pas tellement par idéal, c'est tout simplement parce qu'on leur assure une meilleure qualité de vie, une croissance, de la prospérité. Et il dit aujourd'hui, c'est peut-être plus le cas. Alors, bien sûr, on peut penser à autre chose. Est-ce que ça veut dire que peut-être cette fragilité, c'est un élément constituant de la démocratie? Oui, et c'est justement parce que la démocratie, elle existe justement parce qu'elle est fragile. Si elle n'était pas fragile, ce serait pas une démocratie. Ça veut dire un peu ça, peut-être? Je pense qu'il y a une fragilité, alors plus ou moins prononcée, selon les pays. Je pense que l'Italie est un pays où la démocratie est plus fragile qu'ailleurs, mais la France est aussi un pays où il y a, on le voit actuellement d'ailleurs, est un pays où il y a une fragilité démocratique. Oui, c'est, à mon sens, intrinsèque à la démocratie. La démocratie est sempre insoddisfatta di se stessa, perché confronta la realtà, che è quella che è sempre imperfetta, banale, prosaica, con mille difetti, è l'ideale. È l'unico regime contemporaneo che lo fa. Confronta, si guarda allo specchio e si vede brutta. On commence à voir, à indiquer des formes nouvelles qui naissent. On parle de post-démocratie, on parle de populocratie, certaines esquisses des formes hybrides. Donc Marc, peut-être on pourrait commencer à essayer de répondre à cette question. Quelle est l'évolution? Quelles sont les choses qu'on voit un peu se dessiner
dans les différentes expériences européennes, américaines, etc. On pourrait dire que la spin, la poussée propulsive de la démocratie libérale et représentative est en train de s'épuiser. Voilà. Et donc ça ne veut pas dire qu'elle est morte, mais ça veut dire qu'il faut qu'elle trouve des conditions de sa renaissance. Et elle est confrontée, au moins, d'après moi, à deux défis. Le premier, il est en acte. Les deux sont en acte devant nous, d'après moi. Le premier, c'est ce qu'on voit actuellement en Hongrie et en Pologne. Notamment en Hongrie avec Viktor Orban. C'est-à-dire qu'il a théorisé lui-même l'idée de la démocratie illibérale. Il a théorisé, Orban est un dirigeant qui a une prétention théorique. C'est d'ailleurs, d'après moi, sa différence avec Matteo Salvini. Il a une vision, il a vraiment réfléchi, et il explique qu'il faut aujourd'hui créer une démocratie illibérale. Qu'est-ce qu'il entend par le concept de démocratie libérale qu'il est en train de mettre en application? Il y a de la démocratie, on vote, mais celui qui est au pouvoir peut faire à peu près tout ce qu'il veut, et donc réduit les libertés, réduit les médias, stigmatise tout opposant, invente des ennemis, son grand ennemi c'est Soros, invente aussi des ennemis la partie occidentale de l'Europe et propose d'étendre son modèle à l'ensemble de l'Union européenne. C'est pour ça que les élections européennes du 26 mai sont si importantes. Et puis nous, on avance une autre hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, qu'on appelle donc, c'est plus beau en italien, la popolocratie, hein, qui est plus beau que peuplocratie, mais bon, c'est le titre qu'on a choisi aussi en français, qui est l'idée que, alors il faudrait revenir là-dessus, on y reviendra peut-être, que les populistes, je ne définis pas pour le moment, que les populistes sont très puissants, et je force la thèse, ils sont en train de gagner. Voilà. Qu'ils soient au pouvoir ou qu'ils ne soient pas au pouvoir, ils sont en train d'imposer leur façon de faire de la politique, leur thématique, leur mode d'organisation, parce que, il l'a dit, Angelo l'a dit, il y a toute cette nouvelle technologie des social networks, des médias sociaux, d'Internet. Aujourd'hui, c'est l'heure de la démocratie immédiate, de la démocratie qui n'a plus besoin des corps intermédiaires, qui n'a plus besoin même peut-être des partis parce qu'on peut s'organiser autour d'une personnalité, qu'elle est immédiate aussi au sens où elle est dans l'urgence absolue et que justement elle affirme la souveraineté du peuple sans limite. Et par conséquent, tout ce qui est état de droit doit être mis de côté. Marc a detto molto bene. Stanno le cose, non sono d'accordo con lui. Allora io credo che se c'è una soluzione, questa consiste in una qualche capacità degli intermediari politici, partiti, le strutture di intermediazione che sono necessarie perché devono dare stabilità al rapporto tra gli elettori e i governi, di rinnovarsi profondamente. Se queste forme più tradizionali recupereranno questa capacità e avranno questa capacità di equilibrare il vecchio e il nuovo, sistemi che non possono essere abbandonati perché le elite non le formi su internet, con internet però che devi saper usare, se questo avverrà, questa secondo me può essere la strada per recuperare quell'equilibrio tra quella via intermedia tra l'oligarchia e la demagogia di cui secondo me a questo punto abbiamo bisogno. Un petit désaccord, c'est que moi je suis contre la démocratie directe, mais je suis pour la démocratie participative. Je pense qu'on a un point de désaccord là-dessus, parce que la démocratie participative, c'est pas la substitution de la démocratie libérale et représentative, c'est le complément de la démocratie libérale et représentative. Et donc, sur certaines questions, on peut trouver des procédures de référendum, pas systématiques, parce qu'évidemment, répondre oui ou non sur des questions extraordinairement compliquées, c'est démagogique. On peut trouver des procédures de mise en route de la délibération, et on peut même, Angelo, utiliser sur certaines questions le système du tirage au sort. Car le tirage au sort n'est pas réservé à la démocratie athénienne, il était pratiqué dans l'Église au Vatican, il a été pratiqué dans le duché de Toscane jusqu'au XVe siècle. Alors je sais que c'était des petites unités, mais je pense qu'on peut essayer de trouver des formules de plus grande association, à la fois dans la délibération
pour élaborer des politiques publiques. Je vois que tu as un petit sourire ironique sur mon idéalisme, mais voilà, c'est pour ça que je suis plus proche de Pierre Rosanvallon de ce point de vue-là. Oui. Voilà, je suis assez convaincu par ce que dit Pierre Rosanvallon en France, pour essayer de trouver toutes ces formes qui permettent de rénover la démocratie, pas simplement dans les institutions, pas simplement dans la classe politique, mais par ces formes d'association. Et je termine cette longue intervention pour une raison, c'est parce que globalement, on a quand même, globalement, des gens beaucoup plus instruits qu'auparavant. Io credo che dobbiamo fare molti esperimenti, che la situazione non è brillante per le nostre democrazie, e che quindi non bisogna chiudere, credo, alle spinte più demagogiche. Basta vedere cosa è successo con Brexit, e a quelle bisogna resistere in qualche modo. Per il resto bisogna sperimentare. Tendo sempre a pensare che poi bisogna fare i conti con le conseguenze non intenzionali, e quindi quando io metto insieme due cose che ognuna delle quali presa a sé stante può funzionare o sembra funzionare o sembra non avere controindicazioni, quando le metto insieme forse scopro delle controindicazioni. Questo